Bonjour et bienvenue sur Recette Pavette. Aujourd'hui, la recette des croque-monsieur halal. Pour ceci, nous avons besoin d'une fourchette, d'une spatule, d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café, d'un gris-viande, d'un bol. Comme ingrédients, nous avons besoin d'un œuf, de tranches de blanc de poulet, comptez une tranche pour chaque croque-monsieur, de fromage à croque-monsieur ou de tranches d'emmental, comptez deux tranches comme ceci pour chaque croque-monsieur, de pain de mie, comptez deux tranches de pain de mie pour chaque croque-monsieur, de moutarde, d'un peu de lait et de gruyère râpée. Donc, pour commencer, on va brancher notre grill viande au maximum et on va commencer à préparer. Pour commencer, on va casser l'œuf et le mettre directement dans le bol. Ensuite, on va prendre la fourchette, battre un petit peu l'œuf en omelette. Une fois qu'on a battu l'œuf, on va prendre le lait et la cuillère à soupe. On va mettre 2 cuillères à soupe de lait. Une fois qu'on a mis les 2 cuillères à soupe de lait, on va prendre le gruyère râpé et le mettre directement dans le bol. Une fois que le gruyère est dans le bol, on va battre le tout, comme cela, avec la fourchette. Ensuite, on met de côté le bol avec la préparation d'œufs, de lait et de fromage. On va prendre nos 4 bases de croque-monsieur que l'on va mettre comme ceci. Ensuite, nous allons prendre la moutarde et la cuillère à café. Et sur chacune des bases, nous allons mettre une petite cuillère de moutarde qu'on va étaler comme ceci avec la cuillère. Seulement pour les adultes ou ceux qui aiment. Vous pouvez remplacer la moutarde par du ketchup. Évitez la mayonnaise. Quand on a étalé la moutarde sur toutes les bases, on va prendre une tranche de fromage que l'on va mettre sur chacune des bases, comme ceci. Ensuite, on va prendre une tranche de blanc de poulet que l'on va mettre sur la base de nos croque-monsieur. On va les plier comme ceci, avec les mains lavées et propres, bien sûr. Voilà, on la plie un peu comme on peut pour qu'elle rentre dans la tranche de pain de mie. Nous, on fait ça pour chacune des bases. Ensuite, quand on a placé le blanc de poulet sur les bases, on reprend des tranches de fromage que l'on place directement sur le blanc de poulet. Ensuite, on va prendre les tranches de pain de mie pour recouvrir les tranches de blanc de poulet et de fromage, comme cela. On appuie un peu dessus pour que ça s'écrase un petit peu. On reprend notre bol avec la préparation d'œufs, de lait et de gruyère. On va prendre avec la fourchette un petit peu de préparation, comme cela, que l'on va étaler sur le pain. Ensuite, nous allons ouvrir notre grill et nous allons placer nos croque-monsieur comme ceci. Le mieux étant de les faire 2x2 ou 4x4. Tout dépend de la taille de votre grill. Une fois nos croque-monsieur dans le grill viande, on va refermer le grill viande, si possible sans que le haut ne touche notre préparation. Et on laisse cuire 10 minutes, un quart d'heure. Une fois la cuisson terminée, nous prenons la spatule et délicatement, comme ceci, avec le plat pour servir, nous allons les mettre
Nous allons mettre nos croque-monsieur directement dans le plat. Et voilà, nos croque-monsieur halal sont prêts. Bon appétit et à bientôt sur Recette Pavette.